as a crit, or yeah, you got. Oh, right, yeah, okay, maybe. Yeah, this is, it's a little tricky. The boss crit installation can be a little tricky. And sometimes the problem with Postgres is that Postgres creates two things. It has its own user, but it also creates a Windows account. You have to have a new Windows account on your computer. And I think if you end up in this kind of situation where you actually have to go and delete the Windows account. Okay. But yeah, I know several people here in this room already have their problems installing Postgres. And I know it is sometimes a bit of a problem. It's easier to install some other databases. I guess I can't say anything in general, but I think in general, if you have that problem, try and remove, uninstall Postgres, try and remove the Windows user. You may have to Google to find out how to do that. And then try and go through the process again. But that kind of password that I did show, that's why I showed it. Because that should fulfill the minimum requirement. If you have that, if you use that, then you remember it, and, I mean, it's not secure, because everyone in this room knows it, it's not so difficult to get by it, but still, it's something that should work, on your local machine. Okay? So, now we want to go to the PC admin. My telephone. Okay, and in order to actually do anything here, I need to try and connect. That's the red thing here. And it will ask you for the password. Of course, you all know the password. It's capital D, HIS, 2011. Of course, it could be something completely different, or ideally it should be, but as long as you remember it. Oh, it's not okay, but, actually it's not, I have another password. Okay. Climb in. Okay. La preocupación de l'autre était de savoir qu'il y a souvent des difficultés pour installer PostgreSQL qui ne reconnaît pas le mot de passe, etc. Donc, nous avions dit que la plupart du temps, le problème avec PostgreSQL, c'est qu'il crée un utilisateur sur votre système Windows avec en plus de son propre utilisateur pour l'utiliser. Et donc souvent quand le mot de passe échoue, il vous êtes obligé de supprimer l'utilisateur de Windows et tout ça. De toute façon, l'installation de PostgreSQL peut être beaucoup plus difficile que l'installation d'autres bases de données. Et donc on vient de passer maintenant à la démonstration du PGAdmin. Donc quand vous ouvrez d'un premier temps, quand vous cliquez sur le nom du serveur, il va vous demander un mot de passe et vous mettez le mot de passe que vous avez mis au préalable. Okay, so, first time you open it up, it will just have one database, which is the Postgres database, which you shouldn't touch, just leave it. The first thing I recommend you do is you go here to login roles. You can see there will only be one login role, first time, only the Postgres login role. What we want to do now is create another login role, which I've already done. It's very easy. You just right click the new login role, give it a name, something like PHIS, and then in definition you give it a password, for example DHIS, and again DHIS. Then you give it some role privileges, and actually this could can very well be a super user. Okay. Donc, quand vous entrez dans votre PostgreSQL, donc vous allez voir qu'il y a déjà une base de données qui est ici. C'est la base de données de PostgreSQL. Il ne faut pas y toucher. Mais la première chose qu'on devait faire, c'est d'ajouter un utilisateur. Donc, on va dans la partie rôle d'utilisateur. Et là, on fait juste un clic droit. Et puis, on dit ajouter un nouveau rôle. Et là, en ce moment, on va avoir cette petite fenêtre qui vient. On peut, d'un peu, mettre en place un utilisateur DHIS. Et puis on peut rentrer son mot de passe DHIS, on peut lui donner aussi le rôle du super administrateur. Okay, so three things. The name first, then the password and the definition, and then the privileges. Or if you give it to the super user. Donc trois choses. Le nom,
la definición avec le mot de passe là-bas, et puis les privilèges où on peut lui donner le droit de superviser. Okay, and you'll have two users, not okay. Two users. En ce moment, on aura deux nouveaux utilisateurs. Okay, so now we're ready to create a new database. Et maintenant, nous sommes prêts pour créer une nouvelle base de données. So right click on the databases, create a new database. Donc, clique-toi sur database et on aura cette fenêtre. On choisit une nouvelle base de données. It's good to choose a name that tells you something. For example, I will. We use as a standard, we start the DHS2, and then you can add something more descriptive, like background, for example. Donc, il est intéressant d'avoir un nom qui est un peu plus significatif. Donc, on utilise la plateforme comme standard de commencer le nom de la base de données par DHS2. Ensuite, on peut ajouter un mot descriptif comme Accra, par exemple. And then I choose that new owner that I just created. Owner is the same as login role, owner. So choose DHIS as the owner of this database. Donc, on va choisir un nouveau propriétaire, DHIS, celui qu'on avait déjà créé tout à l'heure. DHIS, le propriétaire, c'est la même chose que le rôle d'utilisateur qu'on a déjà créé. And then I say OK. C'est OK. And then I now look at my databases. I have DHIS2 Accra here. Donc, on regarde dans la liste des bases de données maintenant, on a DHIS Accra qui apparaît. And if you go down into what's there, you'll see that there are zero tables. I guess this is too small for you to see overnight, but it says tables, zero. Donc, si on va un peu plus bas dans la hiérarchie, on va voir que c'est écrit table, zéro. Donc, il y a zéro table encore dans notre base de données. It's completely empty, right? C'est totalement vide. And this is good because then we can either start from scratch or we can import something into it. Donc c'est bien parce que ça nous permet soit de démarrer à partir de zéro, soit d'importer quelque chose dedans. Okay, this is all I need to do now in pgAdmin. But I can come back to pgAdmin to look at my data later. And if I know, if I'm good at using SQL, I can also write SQL in the database. Donc, pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin de faire avec PostgreSQL. Mais bon, plus tard, si je suis bon en SQL, je peux utiliser PostgreSQL pour regarder mes données, mais aussi pour pouvoir exécuter des requêtes directement sur la base de données. OK. So let's go to PostgreSQL. Bon, on ferme PostgreSQL. Okay, so now we have the two things that we need in order to have DHIS running. Java, Postgres. The third thing is the DHIS itself. Donc, actuellement, on a deux des choses dont on a besoin pour faire fonctionner notre DHIS. On a Java et on a Postgres. La troisième chose, c'est le DHIS lui-même. So, DHIS Live, as it says, as you already know, probably, it comes with a built-in database called H2. So you don't actually, you can do a lot without linking to Postgres. But what I'm going to show you now is how to link it to the Postgres database in just created. Okay, donc normalement, vous avez déjà pu vous rendre compte, c'est que la version live de DHIS vient avec une base de données qui s'appelle H2. Donc, qui ne peut faire beaucoup de choses sans avoir vous lié à PostgreSQL. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour lier notre base de données à PostgreSQL. Okay, so I have my files here. I have this DHS2 live. I'll just unzip it. Donc, on a notre DHS live, principe, on va le décider. Okay, so it's been unchecked, so I have my folder here, and this is not called DHS2 live, this is called DHS live. Oh, it is. So I can go inside and look. Donc, on va à l'intérieur du dossier qu'on a décidé, on regarde. Okay, so the file that you're gonna start DHS with is this exe, with a nice
Le fichier qui permet de démarrer BTS, c'est le fichier BTSLive.exe avec la jolie. So I'm going to create a shortcut to, on my desktop. So I'll just say send it to desktop, create shortcut. Donc on va créer un raccourci sur le bureau en faisant clic droit envoyé vers le bureau en tant que raccourci. Then, donc ça me permet de facilement démarrer et arrêter. Three important folders. The database folder is not so important because inside database folder is only the H2 database. So since we're not going to use H2 but Postgres, we don't actually even need that folder. We can even delete the folder. But you can keep it, but we're not going to use it. Donc normalement on regarde un peu les dossiers qu'il y a à l'intérieur. On voit notamment un dossier qui s'appelle database. Et ce dossier-là, on n'en a pas besoin parce que en réalité actuellement, il renferme que la base de données H2. Donc, on pourrait même le supprimer, mais pour l'instant, on le laisse comme ça. In the log folder, there will not be anything, I think, when you install the first time. So this is where DHS will write about all the problems it will have. When you have a problem and you get an error message in your browser, and you want to know what is the problem, you want to send it to us and say, you know, there was an error, please, can you help me? It's almost impossible for us to help if you don't want to send us a log message. That will be in this file, will be as well. Donc, dans le dossier log, c'est là-bas que DBS va enregistrer tous les messages de log, tous les messages d'erreurs qu'il va rencontrer. Donc, par exemple, si vous rencontrez une erreur dans votre navigateur et que vous voulez qu'on vous aide, il faut aller dans le répertoire log et prendre le fichier DBS log qui se présente comme ça et envoyer ça. C'est avec ça seulement qu'on pourra vous aider, sinon c'est quasiment impossible de le faire. And the problems will be at the bottom. We always have to go to the bottom to see where the problem is. You can just send us the whole file. It's not a big file. Donc, la plupart du temps, l'erreur se situe à la fin du fichier. Donc, vous pouvez aller à la fin pour regarder où vous nous envoyez carrément tout le fichier. C'est pas un fichier énorme. And, okay, so that's the log and the database. And then we go back up again. In web apps is where the actual DHIS is. That's a big folder. It has thousands of files. That's the whole application. You don't have to worry about that unless you're going to upgrade. Donc, vous avez au niveau du répertoire web app, vous avez le répertoire DHIS et à l'intérieur, vous avez tous les fichiers qui permettent de composer l'application. Donc, normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, sauf si vous voulez faire un upgrade.